gens sachent. Non, non, voilà, la chose est simple. Prenez votre temps, hein. Non, je ne peux pas prendre beaucoup de temps, puisque moi, ça ne m'énerve pas. Vous pouvez être tranquille, hein, parce que je suis calme dans ma peau. Donc, mon père, ça s'appelle Caméré Constantin. Il est cadre de la Caisse d'épargne en 1956. Avant 1956, il a travaillé dans une poissonnerie belge à Bukavu. Il a terminé au collège Saint-Paul, actuellement collège Kitumaini à Bukavu. Même classe que les Mouamines d'Atabaï, les Mouamines de notre ethnie, les Chi. Donc c'est une référence, les Mouamines peuvent vous parler de mon père, et même de la case de mon père au village. Il y a des images où je suis allé visiter mes ancêtres, mes tantes paternelles et consorts. Ma mère s'appelle Alphonsine Mwankingi. Elle est encore en vie. Mon père est décédé le 3 avril 2000, enterré au cimetière de la Gombe, au cimetière de Kigali. Donc, quand les gens disent ça, ça non seulement ça fait mal à mes soeurs, à mes frères, et à tous ceux qui ont salué le travail que mon père avait rendu dans presque 8 provinces de ce pays. Parce que mon père, en 1960, il va quitter la Caisse des Pains pour la Banque Centrale, et puis ensuite, il va être dans le cabinet du gouverneur Boji, à Bukavu, gouverneur de Kivu Central. Et en 1965, il va revenir encore à la Caisse d'Épargne. Et en 1968, pendant 67, pendant que je suis en deuxième primaire, nous sommes en train de terminer l'année, il est muté à Goma. Et je commence ma troisième à Goma. Et en 1970, nous quittons Goma. Mon père, où il était gérant de la Caisse d'Épargne à Goma, on l'envoie gérant de la Caisse d'Épargne Kadeko à Ngandajika. Ngandajika, c'est 80 km de Mbujimayi. Et nous sommes accueillis par quelqu'un du Bas-Congo, Lunzailadio. J'aurais bien voulu le voir, c'était lui le patron de CNDP, mais se sont vus à Léopoldville plusieurs fois avec mon père avant que mon père ne vienne le découvrir encore en Mbujimayi. Et quand nous arrivons en Ngandajika, je suis en quatrième primaire. Je vais commencer d'abord à Cap Tioji, l'école primaire, pour les gens qui les connaissent, à Ngandajika, avant d'être inscrit avec mes petits frères à l'Institut Saint-Amand de Monseigneur Tshishimbi à Saint-Amand, à Kabanda. Et là, mon titulaire, c'est Placide Moulumba, mon maître titulaire, dont je me souviens encore des souvenirs, et j'ai mon certificat de l'école primaire à Ngandajika. Et on quitte Ngandajika en 1970 et nous sommes mités à Lodja. Nous arrivons à Lodja, mon père est gérant de la Cadeco à Lodja, avec comme administrateur du territoire Matadi. Et en Ngandajika, l'administrateur du territoire, c'était Nabangaba Henri Désiré. Et en 1973, on quitte Lodja, on est mité à Kikwit. Et à Kikwit, nous sommes au plateau au départ, nous sommes en face avec un de vos amis ici parisiens, Charles Mbenga, des maisons qui se regardent, et c'est là qu'on s'est connus. Et nous sommes d'amis d'enfance avec Charles. On étudie dans des écoles différentes, mais il étudie avec mon petit frère dans la même école. Et moi, nous allons quitter Kikwit pour, en 78, pour aller à Kananga. Et à Kananga, je vais faire un passage éphémère à l'Athénée royale de Kananga, avant, parce que je n'étais pas un enfant facile, avant de me chamailler avec mon vieux. Et je suis parti à Mbujimayi à son insu pour aller recommencer mes études là-bas en cinquième des humanités scientifiques, maths, physique à l'EDAP Moulemba. Et là, j'ai reçu l'aide de beaucoup de mes amis, les Biongo, que ce soit Roblex ou Willy. Ce sont des amis qui m'ont assisté dans un premier temps. Mon père avait dit, monsieur, si vous ne revenez pas avec de bons points, et si vous ne quittez pas votre chemin de la musique et de sortir le soir, vous n'allez pas mettre vos pieds dans la maison. Et donc, j'étais un monsieur libre dès le départ. Hein. Et donc, j'ai dit à mon père, je vais rentrer dans 2 ans, mais je vous amènerai un diplôme d'État. Et au bout de 2 ans, 1980, c'était à l'époque des diplômes de 50-50 partout. Hein. J'étais premier de Décassaï avec 63%. Les annales sont là, tout le monde peut aller les consulter à l'inspection de l'enseignement primaire et secondaire. Et quand nous quittons là-bas, nous venons à l'université de Kinshasa, on va fermer l'université de Kinshasa, et puis nous allons encore reprendre avec les amis à la faculté des sciences économiques. Mais j'avais commencé en polytechnique où j'ai fait 3 mois, mais mon nom est sorti en économie parce que je voulais absolument faire la polytechnique parce que je considérais que l'économie, les droits, ce sont des sciences faciles, c'est pour les femmes. C'était la vision d'enfance. Mais quand je suis allé en économie, j'ai vu les marques de voitures qui débarquaient des professeurs,
Mabi Moulumba, Samba Pidabangui, je vois Nyeko Chabani. Mobutu savait vraiment valoriser la fonction. Exact. Et je me suis dit, non, je crois que l'avenir se trouve dans cette faculté. Et voilà comment je me suis mis à étudier. Sauf que tous les professeurs, les grands professeurs qui ont travaillé avec Mobutu n'ont pas amené un changement au pays. Il faut aussi les signaler. Oui, mais il y avait un système. Ouais. Voilà. Donc, et nous avons quitté, et j'ai terminé. Et j'ai dit à mon père, puisque nous étions devenus des amis, j'ai dit, je vais terminer avec distinction. J'ai terminé avec distinction, j'étais lauréat. Là, à l'amphithéâtre Léon Saint-Demoulin, quand on appelait mon nom, à distinguer Vital Kamere et en économie rurale. Nous étions quatre. Et Mouindou Kadi Kourouba, aujourd'hui, il est professeur à l'ICB, l'Université catholique de Bukavu. Je suis l'aider à avoir distingué, pas à l'université de Kigali, l'université de Kinshasa. Là, il y a encore les annales. Mon nom, c'était Kamere Lwakanyigini Nkingi. Il n'y a pas de difficulté à dire ce nom. Et sur mon diplôme de l'université, et sur mon attestation comme assistant, lettre d'acceptation par le recteur Bingoto Mampeya, qui a péri dans l'accident d'avion avec Fempinga Kassenda, paix à son âme. Et c'est Vital Kamere. Vous n'avez jamais bénéficié des bourses de n'importe quel pays, hein. Oui, il y a un aventurier qui avait dit que j'avais bénéficié en 1972 de la bourse de la CPGL. Mmh. En 72, j'étais en deuxième CO, donc je dois être un extraterrestre pour avoir. C'est comme l'histoire de maman Mobutu, quoi. C'est pour dire que c'est une histoire pour distraire l'opinion. Moi, j'ai dit. Et Congolais, c'est lui qui aime le Congo et qui travaille pour les intérêts du Congo. Ça vous a valu le problème en disant « Et Congolais, c'est lui qui aime le Congo ». Alors donc, non, il faut détester. Attends, laissez-moi terminer, mon frère. Moi, je suis libre. Je n'ai pas peur, déjà. Vous faites pas de soucis. Je sais que les gens avaient tourné ça en dérision. Oui, voilà. C'est l'intelligence qui doit nous guider, pas les instincts ou faire plaisir à X, Y. Puisque moi, aujourd'hui, un Américain comme John Kerry, qui a parlé hier pour l'intérêt du Congo, est plus congolais pour moi, mes yeux, que Lambert Mende qui nous dit que nous devons continuer avec ce système-là. C'est vrai. Un Congolais qui donne des contrats léonins, qui hypothèque l'avenir du Congo, est moins congolais qu'un Belge qui vient et dire non, on ne doit pas piller l'argent du Congo. Donc, toute cette histoire des nationalités, c'est la distraction. Mais une chose est vraie, chaque pays doit protéger sa nationalité, ça c'est vrai. Mais je ne suis pas d'une nationalité étrangère. Si j'étais Rwandais, j'en serais fier au Rwanda là-bas. Je serais au Rwanda. Qu'est-ce que je ferais ici à Kinshasa? Je serais fier à Kinshasa, au Rwanda. Si j'étais Brazzaville, je serais à Brazzaville. Si j'étais Angolais, je serais en Angola. Alors qu'est-ce qui m'empêcherait d'aller ouvrir tranquillement là-bas? Alors un Rwandais, curieusement, qui perd et accepte de perdre la place des numéro 2 de la République, président de l'Assemblée nationale, parce qu'il a refusé l'entrée des troupes rwandaises de son pays sur le territoire congolais. Est-ce que vous comprenez un peu le paradoxe? Au moins ça aurait suffi. Ils sont restés avec la plaie dans le cœur. Ils se demandent quelle blague nous avons fabriquée. Mais cet homme lui a donné l'aura plus que ce qu'il avait avant. Ils sont en train de les regretter. Alors ils sont en train de faire des campagnes. Et ils savent comment manipuler. Il y a le premier cercle, le troisième cercle qui commence, le deuxième. Et puis c'est le dernier qui vous apprend. Qu'est-ce que vous avez dit que ma campagne est claire? Très bien, c'est une bonne chose. D'abord, Baïb Singana Tiga en résidence officielle d'un côté à fleuve. Baïb à Longo Lingay. Oyo, n'avait ni mérite numéro 5 d'Amanda pour louer. Naki na Nyongwata, mais à mon côté. Contrat à la Combo Langay. Mais puisque Baïb a été Kanda Kongo, Baïb a mis Sangay, Boutou Boutou. Un ancien président de chambre, Bafoutangape, indemnité de sortie. Salaire nanga pe ko banda janvier ti mars tango na banda ko mundana kabila na tikala ko zangote me batobele bazu benda mité sortir ya molili musuji ko monana mais ngai nde problème donc problème est clair muto sa la bango pas simikolo ezali nde ngai et lo ko ne faut pas comprendre si na comprendre nango la vandinyati ka bango batelengana mais c'est par respect pour vous pour Freddy
Et pour les amis qui nous suivent, les Abaïna répondent quand même à la question. Pour Tolobaki, Namoni, terrain, Abino, terrain synthétique. Makamaubo, Mbabal, Nassam, Matitiate. Il faut mettre à l'écolo. Il y a Abino, Tobet, Tampé, Nicolo.